بدي أبلش بس أحكي لكم إن إحنا عاملين ترتيب في لابسين is it okay I can speak in both if you... I thought you have the headsets with you okay رح أحكي بالإنجليزي هيك أسهل we have arranged for a visit to a cultural institute called Ashkal Alwan, and they want us to be there at around 6:30. So our plan is to leave here at 6 with taxis that we've arranged for. So I hope that everyone can join us because it's a good opportunity to meet representatives from this cultural institute, and they have training programs for contemporary art. They have a cultural center, and they have a book launch that they will have at 7. I'm not sure about the book, what the book is, but they, yeah. But hopefully, it's going to be interesting visiting them and knowing more about their work. So our plan is to leave here at 6. As I said, we have taxis arranged for that, and I hope that everyone can join. But in case you have other plans or I would like to know from now who would be interested in joining us so that I can arrange also the number of taxis and also know who exactly will be leaving with us so we don't miss anyone who wants to join. Okay, so if I could start by just taking the names. اوكي شباب بس انا بدي اقول انه كان I'll just translate احنا عاملين زياره لمركز ثقافي راح يكون اسمه اشكال الوان هم الزياره راح تكون هناك على 6:30 فلازم نغادر هون على 6 وانا مجهزه لتكاسي راح يعني تكون تستنانا عشان نطلع هلا هذا هاي المؤسسه الثقافيه في عندهم مركز ثقافي عندهم برامج تدريبيه للشباب الجامعيين ففي فرصة انه كمان يعني تتعرفوا على شغلهم ويكون في ممكن تعاون في المستقبل كمان عندهم في تدشين لكتاب رح يصدر يعني قريبا فكمان هم يعني عندهم زي احتفالية لهذا التدشين فحبينا انه نعمل زيارة لهم مع بعض كمجموعة فحابة اعرف مين اللي يعني في امكانية انه يكون معنا حابين الكل يكون بس اذا حدا عنده ارتباط تاني او يعني ما بيرغب يكون معنا بس حابة اعرف من هلا عشان نرتب للتكاسي وما ننساش حدا يعني من الناس اللي حابين يطلعوا معنا اوكي تطلعنا خديجة فانا راح اخذ الاسماء بس تو كونفيرم And we'll start our session. This is our third session. First, I hope you enjoyed the lunch, and it was nice having you all. The company is also great. And our third session is about the successful initiatives and campaigns on mobility. We have an example from Raya Mazigi from Femlink, where she will introduce us to the work of Femlink and the campaign or the videos that they have done on mobility, where numbers of artists work together on a group artwork where they put together videos, individual videos into one collage video. So she will present us with information, as I said, about Femlink, and she chose a few videos to show us today. And tomorrow, also Raya will be presenting in a 5-minute also presentation, plus the full video of the that they have worked on for 45 minutes. It will be presented at the... Depends on the time. 30 minutes, I think. So we will see the 31st minutes of the video. Okay. Yeah, so maybe 30 minutes of the video will be presented tomorrow at Not the... Maybe, for sure. For sure, yeah, so yeah. It's 30 minutes. It's
the second day. It's 2:30. Yes. Yes. So it's in the agenda, and so I will give the mic to Raya to present to you. And also during this session, we would like to hear from you as well if you have either worked on certain campaigns or initiatives that support mobility. If you have either worked on or have heard of that you would like to share with us, it's also important to know more about other campaigns, other initiatives that are working on mobility, how we can join efforts, how we can work together. And so this is the aim of our session for the evening. So I hope, yeah, now you can start. I have 15 minutes. Yes. I have to fit two videos. I fit one video. Okay, okay, no problem. So, okay. Okay, so... C'est en français, donc je vais parler en français et il y aura la traduction. Yes, ok. Donc, FemLink, c'est l'initiative dont je veux parler. C'est une initiative artistique. À la base, vous avez deux artistes curatrices du projet. Les artistes sont Véronique Sapin et Cathy Judge. L'idée de FemLink, c'est de créer une initiative qui réunisse des femmes artistes, des vidéastes. Well. Ok, donc ce sont des vidéastes, des femmes qui travaillent dans l'art vidéo. Et l'idée donc, c'est de créer FemLink pour les réunir et créer des œuvres d'art qui incorporent, qui réunissent plusieurs artistes en une seule œuvre d'art. Donc voilà, le but c'est d'aller au-delà des nationalités, des cultures, des frontières. Donc l'idée, c'est d'avoir l'art par-delà les frontières. Et surtout, d'avoir un échange culturel, parce que FemLink et les curatrices de FemLink, ainsi que les artistes qui collaborent à FemLink, partent du principe que quand on connaît... Bon, c'est un principe que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, c'est que l'art aide à faire évoluer le monde positivement. Donc l'art est un vecteur de paix, l'idée c'est que l'art peut être un vecteur de paix. Et pour aller vers cela, le principe fondamental c'est qu'il faut s'ouvrir à l'autre, il faut le comprendre et communiquer, et par la communication on obtient donc un monde plus tolérant. Voilà, c'est ça, ça c'est le principe de base. Pourquoi FemLink a été créé? Donc voilà, c'est de cela que je parlais. Donc en s'opposant à l'exclusion des autres, quand on s'oppose à l'exclusion des autres, je sais que là je redis le même truc, mais c'est vraiment le principe fondamental, l'idée derrière FemLink. Quels sont les moyens? Les moyens, c'est on réunit les artistes en une œuvre commune. Et cette œuvre commune va voyager de centre d'art en galerie,
vers des centres artistiques, des fondations artistiques. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006, l'initiative a commencé en 2005, mais effectivement, les vidéos ont commencé à être produites dès 2006. Depuis 2006, les vidéos de Femlink ont été visionnées dans à peu près 33 pays et dans 80 institutions. Ok, comment on procède? Comment Femlink procède? Donc Sapin, Véronique Sapin et Cathy Judge, les curatrices, choisissent chaque année un ou deux thèmes. Autour de ce thème, on invite des artistes à créer une œuvre d'art courte, donc de 2 minutes à peu près. Chaque artiste va produire donc une vidéo de 2 minutes à peu près sur le thème choisi. On va voir tout à l'heure quelles sont la liste des thèmes qui ont été choisis jusqu'à aujourd'hui. Donc, autour de ce thème commun, on fait les vidéos. Les vidéos sont juxtaposées l'une derrière l'autre pour former une seule œuvre d'art, une seule œuvre vidéo. Donc, on appelle ça un Femlink vidéo collage. Chaque vidéo collage, dans chaque vidéo collage, vous avez à peu près 30 œuvres d'art, 30 vidéos individuelles. Donc à peu près entre 25 et 35 vidéos de chacune autour de 2 minutes, un peu moins, un peu plus. Ça c'est l'exemple du vidéo collage male, ça veut dire masculin, male, homme. Donc 32 artistes, femmes jusqu'à maintenant, je parle juste des artistes, des femmes vidéastes, parce que vous allez voir qu'il y a une invitation à des hommes vidéastes, des artistes, à participer également. Donc chaque artiste va interpréter le thème. Ici vous avez une mosaïque de photos des artistes qui ont collaboré au collage. Donc chacune a fait sa vidéo de 2 minutes à peu près. Et voici des screenshots, des photos, des vidéos. Ça, c'est un autre genre de collage, un autre thème. C'était le thème agression. Et chaque artiste doit s'exprimer sur le thème, la violence, la puissance, la domination. Alors, il faut dire que comment on choisit le thème? Les thèmes, en général, ce sont des thèmes universels, chers à l'art, en littérature, en peinture, dans tous les arts, on s'exprime en général sur plusieurs des thèmes, disons pas génériques, mais des thèmes classiques. Mais en dehors de cela, cette année, par exemple, il y avait deux thèmes, vital et agression. Puis, à cause du printemps arabe, les événements de soulèvement qu'il y a eu dans les pays arabes, un thème a été rajouté, c'est un thème de circonstance, et ça s'appelait proteste. Donc c'est le thème proteste, c'est un thème qui a été ajouté à cause de ce qui se passait dans les pays arabes, à cause du printemps arabe. Grâce ou à cause, je ne sais pas, mais en fait, ça a stimulé l'imagination ça, pour produire de nouvelles œuvres là-dessus. Donc ça, c'est des screenshots de collage agression. Ça, c'est le collage, le troisième exemple, et le dernier que je donne, c'est l'exemple de Vital, ce qui est la vidéo, le collage auquel j'ai collaboré. Donc, Vital, on nous demande de nous exprimer sur ce que nous pensons est vital à l'existence, qu'est-ce qui est critique à l'existence, essentiel à la vie. C'est le collage, justement, qui va être visionné demain l'après-midi, ici même. Dans les vidéocollages Femlink, comme celui-là, Vital, la plupart des pays participants, des artistes participants, viennent de la région Euromed. En principe, il n'y a pas de règlement là-dessus. N'importe qui peut être invité et participer. Mais en regardant la liste des pays, on remarque que la plupart viennent de la région Europe-Méditerranée. On a beaucoup d'artistes des pays arabes parmi ceux-là. D'ailleurs, ça, c'est une photo, une screenshot de la vidéo d'une artiste jordanienne. Et voici les artistes qui ont collaboré à Vital. Donc ça, c'est les screenshots. Chacune, bien sûr, à sa manière, a fait sa vidéo. Depuis 2006, on a eu 9 vidéos collages. Le premier s'appelle Mail. Le second, Preoccupation, Resistance, Fragility, Wonder, Aggression, Vital, Protest. Protest est en cours de production, comme je vous l'ai dit. Et le dernier collage, c'est une invitation à des artistes hommes
des vidéastes qui se sont exprimés en faisant, on leur a demandé de faire un portrait d'une femme artiste. Donc, pour les prochains vidéocollages, l'idée de Femlink, c'est cette expérience, on voudrait l'étendre au public, plutôt aux participants hommes, donc que l'art soit universel. On ne fait pas de sectarisme, mais ça a commencé par une initiative d'artistes femmes, mais ça va s'étendre pour englober des artistes hommes et femmes. Donc en chiffres, il y a jusqu'à maintenant 133 femmes qui ont participé au collage Femlink, 33 pays, 9 vidéocollages, donc 9 thèmes, et plus de 240 vidéos. Les vidéos sont généralement visionnées de deux manières. Ou bien elles sont projetées dans une salle de projection comme celle-là, dans des cinémas ou salles de projection. La deuxième manière, c'est que c'est un espace d'exposition comme dans une galerie, et on peut avoir plusieurs moniteurs qui diffusent les vidéos en simultané. Donc on peut s'arrêter devant un moniteur, voir une vidéo, ou bien devant un autre, voir une vidéo un peu plus loin. Femlink donc, a été projeté dans plus de 80 institutions artistiques, dans 33 pays. Ça, c'est une liste des centres où Femlink a été exposé, les galeries, les foires d'art. Ok, alors comme financement, Femlink s'autofinance. En général, ce sont des volontaires. Que ce soit les artistes ou les curators, c'est en général sur base de volontariat, mais ça a prouvé que jusqu'à maintenant, ça marche, parce que Femlink est assez connu dans l'art vidéo. Quand on dit Femlink, en général, on connaît ça de plus en plus. Et elle a participé à plusieurs foires d'art, comme par exemple la Biennale d'art contemporain de Nîmes, les festivals In Loop de vidéo, les instants vidéo. Donc voilà. Comme financement, vu que le statut de Femlink, le statut c'est une organisation à portée internationale, elle n'est pas régionale. À cause de cela, il y a eu souvent des difficultés à obtenir des fonds de financement, des fonds d'aide. Parce que les fonds d'aide, en général, ils s'adressent à des régions. Par exemple, à la région Euromed. Mais il n'y a pas de fonds, ou bien on n'en connaît pas assez en tout cas, qui s'adressent à des fondations qui travaillent dont le champ de travail est international. C'est toujours régional. Donc ce sont des fonds d'aide pour l'Afrique, pour l'art des artistes originaires d'Afrique, de la région Euromed, ou bien de l'Asie, ou bien... Mais international, on n'en a pas beaucoup. Donc, de là la difficulté de financer. Mais entre autres, Femlink a eu un financement de la part de l'UNESCO pour assurer des formations à des femmes vidéastes. Et ça s'est fait au Québec. C'était donc des femmes originaires du continent africain. Ok, entre autres, comme action de Femlink, il y a Véronique Sapin donc, qui a commencé à faire des sessions de art therapy pour promouvoir les liens entre la mère adolescente, entre la mère adolescente et l'enfant. Donc plusieurs sessions de art therapy ont été déjà faites aux Philippines. Donc ça, c'est l'utilisation du vidéo art dans le art therapy comme action de Femlink. Ok, le Femlink a été... Donc Femlink a un statut légal sous le nom de Vadia pour avoir le droit de faire d'exposer. Donc c'est juste pour des fins légales. Et le président du comité est Laurence Gobert, le secrétaire Martin Capel. Voilà, c'est tout. Et oui, we have time. Ok, I will show you. So je vais vous montrer deux vidéos en fait. Je vais commencer par celle-là. En général, c'est comme ça que le vidéocollage, c'est à cela que ça ressemble. Ça commence donc d'abord comme ça. Oh.
Ok. Ensuite, donc, vous avez les vidéos qui se suivent. Donc sur le thème vital, je vais montrer cette vidéo-là. Sur le thème mail, je vais montrer une deuxième vidéo. The difference between two videos can be. Okay, so this video you will see it's by a Jordanian artist.
Ça, c'est une vidéo donc aussi indépendante l'une de l'autre, mais elles sont juxtaposées, comme je vous l'ai dit. Donc, la série de vidéos, c'est une vidéo après l'autre, comme vous allez voir demain. Je vais montrer une troisième, mais qui est dans le thème male masculin, homme. Donc, ce n'est pas le thème vital, c'est un autre thème. Je l'ai sur Internet, donc j'espère qu'elle va être assez claire. Ça s'appelle Sus Cartas, donc c'est His Letters, ses lettres. Of me. J'ai enlevé le son. Sus cartas. Conservo sus cartas, como se conservan las santas reliquias, como si guardara un grande tesoro de inmensas riquezas, pedrería y oro. Ya están amarillas. El tiempo ha dejado al pasar sus huellas. En ellas se encierra toda nuestra historia de amor fracasado. En ellas se leen las tiernas promesas que son con su cadáver sepulto la tierra. Y es un embeleso en horas de duelo y angustia suprema sacarlas, leerlas. Y es cuando las pesco si un amante. Cerrando los ojos evoco el pasado. Recuerdo mi dicha. Olvido un momento que solo despojo son ya esos papeles. Creo que me miro de nuevo en sus ojos y entonces me siento nuevamente rica de dichas y amores. Revive en mi alma todos los ardores de mi vida trunca. Oigo que me habla, ahora ya de muerto. Me parece que oigo su voz de ultratumba. Diciendo a mi oído, antes moriría, olvidarte nunca. Mas luego despierto de mi sueño loco, que me hundió un momento en dulce letargo. Y encuentro en mis manos, solo esos papeles mojados en llanto. Solo aquellas cartas que están arrugadas, por besarlas tanto. They seem sleepy after lunch. But hopefully we can use such a tool to do campaigns for the policy agenda. So I need this. رايا إن شاء الله بتكون معنا بالتحالف بالفريق وبنقدر هاي هي التولز اللي بما إنكم artists وsocial entrepreneurs إنه نستعمل هاي التولز عشان نطبق ال أو نعمل campaigns أو نعمل مبادرات عشان نقنع
المجتمعات عشان نقنع الحكومات عشان نقنع كل حدا يتطلع على الأمور بنظرة مختلفة فبس بدها تكون مخصصة بمواضيع محددة زي الفيزا مثلا أو زي فبنلاقي قصص دائما تحكي عن هذا الموضوع فممكن تساعدونا نعمل ثيمز على هذا الموضوع طيب شكرا رايا أنا يعني استمتعت باللي حكى الولد الصغير عن الحب لأني بحب تنتين برضو وإذا في حدا عنده سؤال بليز يس Je voulais savoir par rapport au choix des vidéos, comment Véronique et Cathy font pour trouver les artistes vidéastes qui vont travailler sur le projet. Donc ça peut se faire de plusieurs manières. En principe, la manière la plus courante, c'est que Véronique Sapin, la curatrice, ou Cathy, ont déjà vu des œuvres d'un artiste, ou d'une artiste en l'occurrence. Et donc elle lui propose, elle lui envoie un mail pour lui proposer de participer au collage qui vient. Ou bien ça peut être comme dans mon cas, il y a une autre artiste qui est une amie à moi, une artiste qui vit au Liban. Elle avait participé au collage l'année avant moi. Et lorsque Véronique lui a demandé si elle connaît des artistes du Liban, parce qu'elle avait besoin que ce soit des artistes du Liban qui pourraient être, qui pourraient participer. Donc à ce moment-là, elle a référé à plusieurs artistes et finalement j'ai été sélectionnée, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. En général, déjà, le bouche à oreille fait que les curatrices connaissent déjà d'avance assez d'artistes pour ne pas lancer des appels à candidature. Mais je suppose que si des artistes souhaitent participer, bien sûr, je crois que c'est pas compliqué. Il suffit de contacter Femlink. Voilà. Thank you. Ok. شوفك بكرة برضو. طيب. رح بس آخر إشي رح أحكي يعني تقريبا للستة ونص هلا فديها هيك. just to wrap up. شكرا كثير وإن شاء الله بنشوفكم بكرة. وبخصوص الأجندة اللي عم نحاول نطورها وهلأ بديت أعدل حسب أنتو إيش حكيتوا اليوم رح نطلقها اليوم ونبعتها للصحافة ونحطها على كل المواقع فأرجوكم تتابعونا وتدخلوا على الفيسبوك وعلى تويتر عشان تدعموا المقابلة الأجندة سوري إذا بتذكروا قبل ما توصلوا على بيروت بعتنا استبيان أو سيرفي عشان نقدر نشوف ايش في معلومات عندكم ساعدنا انه نبدا نطبق هاي الاجنده ونحط خطه عمل يا ريت اذا بتقدروا ترجعوا لما ترجعوا على بلدكم انه تشوفوا المؤسسات تبعتكم وتشوفوا اذا هي بتدعم هاي الاجنده بشكل رسمي عشان يبدا يزيد عدد المؤسسات الداعمه او اللي تبنت هاي الأجندة وخلال تقريبا أظن 10 أيام أو أسبوعين راح يطلع تقرير فيه كل النقاشات اللي صارت فيه الأجندة النهائية فيه خطط العمل المقترحة عشان نبدأ نتعامل مع بعض كفريق نشوف ونشوف كل بلد إيش ممكن يقدر يعمل عشان نحقق هاي الأجندة ويعطيكم العافية وشكرا شكرا رامي وشكرا للجميع في سوشيال ميديا لينكس باي ايميل سو ذات يو هاف يور ابديتد اون اور يا يا ذاتس مع عز اند ا جروب فوتو يا اوكي سو اي ثينك وي كان تيك ا جروب فوتو ات اوتسايد ذات وود بي اوف كورس بيتر